Oui, madame. Si vous permettez, nous allons reprendre avec déjà 6 minutes de retard, j'allais dire. Après les remerciements dus aux organisateurs, et spécialement à madame Bakar, nous allons enchaîner pour cette deuxième séance en focalisant sur la langue. Avec, pour commencer, le professeur Mokhtar Sahnoun qui porte la double casquette d'universitaire et de romancier. Et donc, qui sait forcément de quoi il parle. Nous l'écoutons. Merci, chers collègues et amis Kamel Gaha, pour cette présentation. Et pour gagner du temps, nous commençons immédiatement. Donc, mais avant de commencer, j'aimerais préciser que l'intitulé de ma communication est plutôt « L'écrivain tunisien francophone, la mise en forme d'un imaginaire hein ». C'est alors que sur le programme, Alia a plutôt porté. Non, c'est ce que j'ai envoyé. Hein. Bon, enfin, bref. Donc, l'écrivain tunisien francophone, la mise en forme d'un imaginaire. Il ne s'agit pas de développer une réflexion de portée générale sur les conditions de mise en forme de l'imaginaire de tout auteur créateur de fiction. L'écrivain, qui retient notre attention aujourd'hui, a un statut assez particulier. Il ne peut s'inscrire dans une case à étiquette générique. Il est constamment renvoyé à une case spécifiante. Pour déterminer son statut, il faudrait opérer une sorte de dégringolade vertigineuse en suivant un ordre contraint, respectant une logique déductive caractéristique de la structure implicative du lexique. Il fait partie de cet ensemble spécifique des écrivains tunisiens d'expression française. À ce titre, il s'inscrit dans un ensemble plus ouvert, celui des écrivains d'expression française ou de langue française. En tant que tel, il est reconnu comme écrivain maghrébin d'expression française et ce statut l'inscrit dans une sphère encore plus englobante, celle des écrivains francophones. Compte tenu de ce statut, dont la complexité rappelle à bien des égards la complexité inclusive des poupées gigognes, il n'est jamais ni identifié, ni reconnu simplement en tant qu'auteur ou en tant que romancier ou poète. Les critiques le renvoient systématiquement de manière insistante, qui n'est point d'ailleurs dénué d'insinuation à son apparence, à son appartenance à une catégorie restrictive. Il est écrivain tunisien d'expression française. Ces prédicats doivent être pris en considération dans la détermination des critères définitoires qui interviennent dans la circonscription de la topographie, de son imaginaire et de son inscription dans la littérature francophone. La précision de la langue qu'il emploie pour écrire est fondamentale. D'un point de vue inférentiel, être écrivain d'expression française a des implications majeures. Les contenus implicités associés au syntagme d'expression française renvoient à des domaines qui relèvent
tant du bilinguisme, du linguistique, du culturel que du politique et de l'ontologique. S'exprime-t-on indifféremment dans une langue ou dans une autre? Le choix d'une langue d'écriture n'a-t-il pas des répercussions sur le contenu des textes concrets et sur les conditions de leur réception? La langue française offre-t-elle à l'écrivain tunisien les paradigmes lexicaux dont il a besoin en tant que Tunisien pour composer, dire son imaginaire étroitement lié tant à son vécu qu'à son histoire individuelle et à l'histoire collective de la communauté? Son imaginaire peut-il être traduit par une langue apprise dans les livres, une langue qui est étrangère à son quotidien? L'imaginaire, c'est le nouvel ordre selon lequel l'auteur structure le monde ainsi qu'il l'a vécu et qu'il vit en mots. C'est une interprétation personnelle des images que lui renvoie le milieu dans lequel il a évolué, l'univers qui a participé à forger sa personnalité. C'est la transposition subjective d'images sélectionnées d'un monde qui le dit, lui et les siens, lui et les autres, lui et tout ce que l'ensemble de ses sens ont perçu, tout ce qu'il a vécu, tout ce qu'il a lu au hasard des découvertes. Comme tous les artistes, en particulier le peintre, le projet de l'écrivain consiste à créer des images. Néanmoins, si le peintre, pour résoudre la difficulté majeure, celle de transcender le paradoxe de représenter une réalité à trois dimensions, sur la surface plane à deux dimensions de la toile, s'engage dans un processus complexe de manipulation consistant à faire croire au sujet spectateur qu'il perçoit des couleurs, des formes, du volume, de la profondeur. La gageure consiste à insuffler une vie à la matière inerte et à représenter le monde référentiel en l'investissant de sa propre sensibilité, de ses impressions, de sa passion. Il y a sur la toile, représenté à la fois sur le mode de la mimésis et de l'illusion, le monde tel que le peintre l'inscrit dans son imaginaire et tel qu'il cherche à donner à voir au sujet spectateur. À la différence du peintre, l'écrivain a recours à un autre type de médium assez complexe qui est totalement en rupture par rapport à la réalité à représenter, le langage verbal. Ferdinand de Saussure précise dans son cours de linguistique générale que le signe linguistique est arbitraire et par voie de conséquence non motivé. Entre l'axe des sélections qui correspond aux différents paradigmes qu'offre la langue au sujet locuteur ou scripteur et les objets du monde référentiel, il n'y a point d'articulation. La mimésis à ce niveau ne fonctionne en aucune façon. Il n'y a aucune ressemblance entre la séquence graphique correspondant au vocable et les images à faire émerger dans l'esprit du lecteur. Pourtant, les mots de la langue sont le seul moyen lui permettant de transposer le réel en image et de composer son imaginaire. C'est à ce niveau que la situation s'avère trop complexe. Outre les problèmes linguistiques inhérents au code, l'écrivain tunisien est amené à en affronter d'autres, il doit à ce niveau opérer un choix moins conscient que dicté par de multiples pulsions inconscientes déterminantes. Un choix qui engage ses convictions culturelles et civilisationnelles. Il doit opter pour une langue parmi celles qu'il a intériorisées à travers son histoire d'écolier, de collégien, de lycéen, d'étudiant,
puis de lecteur et de locuteur. Ce type de choix ne peut se faire sans avoir au plan intellectuel et identitaire des conséquences dont l'impact marque le sujet de manière irréversible. Pour rappeler à sa mémoire les images qui ont progressivement composé son imaginaire, pour leur donner une forme verbale, une expression phonique, il se tourne naturellement vers la langue de la mère ou vers la langue de l'institutrice. Se tourne-t-il naturellement vers la langue qui a bercé son enfance dans le giron maternel ou vers les mots appris dans les manuels scolaires et dans les dictionnaires? Pour nommer un chat, choisit-il d'écrire en arabe ou en français? S'agit-il vraiment de choix? Ce vocable n'est pas approprié. La langue française s'est plutôt imposée à lui. Elle l'a insidieusement glissé dans son esprit. Elle a habité sa conscience. La voix envoûtante de la maîtresse et le son grasseillé qu'elle prononce d'une manière particulièrement suave faisaient jaillir dans sa tête des images lumineuses et se confondaient avec les plis de sa jupe. Le rythme de ses talons claquant impérieusement sur l'estrade, avec la plume de son stylo à encre et ses registres couverts avec le plus grand soin. C'est la langue de la tentation qui, à son insu, s'est infiltrée au plus profond de son être parmi les interstices de ses rêves d'enfant, de son imagination d'adolescent, de sa passion d'adulte. À force de lire dans les manuels des textes choisis d'auteurs français, à force de lire des contes, des romans, des recueils de poésie, des pièces de théâtre en français, à force de consulter le Petit Larousse illustré, à force d'inscrire des mots de la langue française dans son calepin, de noter des définitions, d'apprendre par cœur des poèmes de la littérature française, à force d'examiner cette langue française, de la disséquer, de considérer le fonctionnement de ses composants syntaxiques, morphologiques, lexicaux, sémantiques, phoniques, graphiques, d'un point de vue tant diachronique que synchronique, la tentation de l'utiliser se transforme en obsession et le désir d'imiter les auteurs français force et l'esprit et la main. Ce sujet, dont le rapport à la langue française est devenu fusionnel, se met à rédiger des textes juste pour essayer, et il se trouve à son insu pris au piège. Il continue à écrire, à créer. Il cherche sa voix pour que son écriture soit personnelle. Mais l'emploi de cette langue n'est pas sans conséquences. L'emprunt de la langue de l'autre ne peut se produire sans heurts. À ce moment fatal où il passe à l'action, où il s'engage dans l'entreprise de l'imagination et de l'imaginaire, l'auteur tunisien, homme ou femme, est amené à vivre le drame du déchirement. La tragédie du manque et de la frustration. Son esprit est doublement sollicité. Il est appelé d'une part à se représenter un objet, d'autre part à sélectionner dans une autre langue les mots susceptibles de le décrire pour que le destinataire à son tour puisse se le représenter. Mais dans son cas, le statut du lecteur est assez complexe, pour ne pas dire presque indéfinissable. Dante écrivait d'abord et avant tout pour le lecteur italien. Rabelais pour un lecteur français, Dostoïevski pour un lecteur russe, mais l'auteur francophone tunisien, il écrit pour quel lecteur? Écrit-il pour les Tunisiens lettrés, capables de lire en français et ayant la curiosité de découvrir les productions des romanciers et des poètes tunisiens d'expression française? Écrit-il pour un spectre de lecteurs plus large, éventuellement
pour tout sujet francophone, européen, américain, africain, australien. Ainsi, sa tâche est double. Il est appelé à s'adresser à ceux qui partagent son univers référentiel, culturel et esthétique, et ceux qui sont étrangers au milieu et au monde auquel renvoie son écriture. Face à ce lecteur, au profil multiple, quasiment insaisissable, l'auteur dont nous essayons de saisir le statut a un profil protéiforme et les étiquettes qu'on cherche à lui coller se détachent facilement. Comment voulez-vous qu'une étiquette du genre écrivain francophone tienne, fasse miroiter la moindre image nette? Écrivain maghrébin n'a pas non plus l'acuité suffisante pour faire profiler un statut déterminé. Écrivain tunisien d'expression française ou écrivain tunisien de langue française n'est point une étiquette susceptible de le sauver de l'ambiguïté et du paradoxe. Elle est restrictive. Est-elle un acte de langage performatif accompli par la maîtresse, toi, au coin, l'isole comme un élève puni dans l'ombre? Contre vents et marées, il part à la conquête de l'univers de l'écriture avec dans son carquois la langue française et son imaginaire. D'autant que la plupart des écrivains tunisiens d'expression française sont des professeurs universitaires embarqués dans l'aventure de la recherche. Ils pratiquent cette langue aussi bien dans la vie sociale, familiale que professionnelle. Ils communiquent en français, lisent en français et examinent à la loupe, pour la plupart d'entre eux, dans le cadre de leurs cours, le fonctionnement de la littérature et de la langue française. Il suffit de passer en revue quelques-uns d'entre eux pour se rendre à l'évidence. Salah Germedi, Emna Belhaj Yahya, Hel El Beji, Fawzi Middeb, Mansour Hachem, Mohamed Kamel Dingaha, Samir Marzouki, Anwar Attaya, Rafiq Ben Salah, Fawzi Malleh, Taha Bekri, Mostafa Tlili, Bachir Garbouj, Farj Lahouab, Hafez Jdidi, Ali Abbasi, Ahmed Mahfoud, Ilham Miled, Mansour Mhenni, رابع عبد الكافي صالح الغربي وفاب سيسوريري جلال الغربي جيهان سوقي فوزي الزواري وفي غربال ايمن حسن رضا بوتريس pour ne citer que cela. L'attachement passionné de certains de ces auteurs à la langue française a pour corollaire un penchant immodéré pour les mots de cette langue. Dans la poésie de Mohamed Kamel Dingaha, à titre d'exemple, la tendance à choisir et employer les mots les plus recherchés appartenant à un niveau de langue éminemment littéraire et soutenu et à s'en délecter est évidente. Dès la première strophe de son recueil « La route de l'or », je dirais plutôt, dès le premier verset, parce que cette poésie s'inspire du souffle poétique de Saint Jean Perse. Et vous êtes d'accord avec moi, Kamel. Le poète, adoptant un rythme progressif de plus en plus ample, annonce les utopies nodales qui sera développée dans l'ensemble du recueil, celle d'une quête poétique consistant à ressusciter les mots. C'est dans la parole au poète. J'ai veillé l'ombre rétive jusqu'à l'extinction de la complainte. Épuisé mon trésor de souffle et de salive à rappeler les mots sacrés à la vie. Au-delà du premier verset, dans la séquence liminaire, des occurrences multiples composent un champ lexical référent au langage, à la parole, au dire, de manière explicite, aux mots. Nous y relevons les vocables, complaintes, litanies, mots et verbes. Par ailleurs, le vocable mot et les termes qui relèvent du champ lexical du dire et du langage,
quelques paroles, parle, voix, son, syllabe, ligne, écrire, chant, mélopée, complainte, plainte, prière, sont disséminées dans tous les poèmes composant le recueil. L'ultime verset qui a une valeur de coda et qui clôt et le dernier poème et le recueil est éloquent dans ce sens. Pour habiter le silence, il faut faire provision de mots et de couleurs, dit le poète. Aux deux plans explicites et inférentiels, ce verset dit que les mots de la langue française participent dans l'imaginaire de l'auteur tout à la fois de la tentation et de l'obsession poétique. Pouvait-il lire Saint-Jean Perse sans tomber amoureux des mots de cette langue, de sa langue? La première séquence du recueil Vent se clôt par ce verset qui chante le langage. Ah, très grand arbre du langage peuplé d'oracles, de maximes et murmurant, murmure d'aveugle nez dans les quinconces du savoir. Le recueil de Mohamed Gamal al-Din Gaha reste en quelque sorte un apax dans l'ensemble des productions poétiques et romanesques en Tunisie. Aucun mot en langue arabe n'est intégré au texte composé uniquement en français. Cette gageure est rendue possible par le recours à une stratégie assez adroite. Le contenu réfère à un imaginaire focalisé sur l'univers personnel du poète, évoqué à la première personne, mais inscrit dans une sphère plus large, celle qui célèbre la quête de soi en tant qu'homme parmi les hommes, en tant qu'homme inscrit dans le monde des hommes, d'un point de vue assez hautement abstrait, qui engage des considérations philosophiques existentielles et ontologiques. Il est, dit-il, difficile de rester sourd aux rumeurs du monde. L'imaginaire d'un auteur est l'espace dans lequel se développe son inspiration, sa réflexion, sa vision du monde. La cohérence de l'imaginaire repose sur l'assaillance et la cohésion de ses composantes tant linguistiques, rhétoriques, philosophiques, que poétique qui lui insuffle son originalité et par voie de conséquence sa différence. Sa pertinence réside essentiellement dans ce qui le distingue des autres imaginaires et le fonde en tant qu'imaginaire identifiable, structuré par une logique interne et soutenu par une intention. Cette spécificité l'assimile à l'ancien sceau qu'apposaient les notaires tunisiens aux actes notariés. Image complexe, inimitable au contenu hiéroglyphique et à la forme rappelant celle d'un scarabée. Aussi ce sceau était-il dénommé en arabe dialectal tunisien « khamfousa ». Au-delà de son image banale d'insecte, le scarabée est investi dans certaines civilisations d'une dimension symbolique qui lui confère une valeur sacrée. Il est tout à la fois symbole cyclique du soleil et symbole de résurrection. À l'instar du scarabée qui cache en lui le principe de l'éternel retour, l'auteur emmagasine au plus profond de sa conscience et enregistre dans sa mémoire et dans son esprit des images qui ressurgissent dans ses créations modifiées selon sa propre vision et les principes esthétiques qu'il a intériorisés. Inscrit dans un milieu particulier, l'auteur observe le plus infime élément qui le compose. Il voit au-delà de tout ce qu'il perçoit. Il voit au-delà des êtres, des objets et des phénomènes. Il voit l'histoire qui les a façonnés, les légendes qui les a transfigurés, l'aura qui les enveloppe.
il n'enregistre point la réalité dans sa manifestation brute. Son imagination opère des sélections et ne retient de ce réel que les images qui s'intègrent harmonieusement dans son imaginaire. L'incapacité de la langue de l'autre à rendre compte de toutes les significations qui ne figurent pas dans le dictionnaire, des connotations qui sont des significations greffées, dépendant du contexte, du mystère des expressions idiomatiques, désarçonne l'écrivain tunisien d'expression française. Il se sent à l'étroit dans le seul espace que les paradigmes de la langue française permettent d'évoquer. Quelle posture doit-il adopter en conséquence ? Opter pour l'emploi des mots de l'arabe dialectal tunisien ou même de l'arabe classique qui n'ont pas leur équivalent dans la langue française ou opter pour la traduction ? Dans un cas comme dans l'autre, l'auteur vit un déchirement entre les deux langues et quelque choix qu'il fasse par rapport à l'alternative qui s'impose à lui, il ne retrouve jamais sa quiétude. Il a toujours cette impression troublante d'être assis entre deux chaises, situation inconfortable qu'il ne peut gérer ni en se fiant à la subjectivité de l'intuition, ni à la sagesse de la raison. Son expérience de l'écriture, qui est relativement assez courte dans l'histoire de la création littéraire, justifie son tâtonnement, ne perdant pas de vue que les premiers textes écrits en français par des auteurs tunisiens datent dans l'ensemble du début du siècle et que ce n'est qu'en 1918 qu'Arthur Pellegrin pose les bases d'une littérature nord-africaine et qu'il fonde à Tunis en 1920 la Société des écrivains d'Afrique du Nord. En composant des poèmes, en créant des romans ou des nouvelles, l'écrivain francophone tunisien, inscrit dans un milieu arabophone, est tenté par les mots de sa mère, de son père et par la parole que tous les autres autour de lui emploient. Seuls les mots et les expressions de l'arabe dialectal tunisien se souviennent de certains instants de sa vie, se souviennent de certaines de ses émotions, de cet univers intraduisible dans une autre langue, cet univers fait d'images que seuls les mots de sa langue sont en mesure d'éveiller en lui, de rendre présente. Ce n'est pas une réaction contre la langue de l'autre, c'est plutôt l'expression d'un sentiment profond, le besoin réel de traduire des contenus, donner forme à des images, faire surgir des signifiés que les mots de la langue française ne peuvent véhiculer ni au plan de la dénotation, ni à celui de la connotation, ni au niveau métaphorique par le biais des tropes, ni non plus par le recours aux relations inférentielles de présuppositions ou de sous-entendus. C'est dans cette perspective que Salah Garmadi, linguiste de formation, préfère souvent au vocable de la langue française ceux qu'il sélectionne dans les paradigmes de la langue arabe avec un penchant prononcé pour l'arabe dialectal tunisien. Il n'hésite pas à proposer, selon le contexte, la traduction littérale d'un mot ou d'une expression qui, modulée par le rythme des combinaisons au sein du vers et l'harmonie phonique, fait éclater des panaches de poésie savourée. Je cite « Oh, mon cœur friand, m'en lasserai-je un jour ?» Des mimosas frileux fleurissant mes retours, des couleurs enivrées de nos murs blancs et bleus, des dattes de lumière, des pastèques de sang. Bien que formé au lycée Carnot de Tunis et à la Sorbonne où elle obtient l'agrégation de lettres modernes, El Belji reste profondément Bent Rabat, la Tunisoise attachée à la Médina.
Cet enracinement dans la culture typiquement populaire, typiquement tunisienne, s'empare de l'esprit du lecteur immédiatement dès qu'il franchit le seuil de son roman « L'œil du jour ». L'auteur est ainsi confronté le reflet de la narratrice qui assume son moi et ses choix, se tourne dans le paragraphe liminaire de son roman qu'elle écrit dans la langue de l'autre, vers la langue de sa mère et de sa grand-mère, pour crier son malaise et sa frayeur. Je cite « C'est Boutelis, Boutelis me tient, vite je dois me réveiller ». Le terme emprunté à l'arabe dialectal tunisien est d'origine berbère et désigne le monstre de la nuit. Aucun mot de la langue française ne peut faire surgir dans la tête d'un lecteur tunisien toutes les images associées aux légendes brodées autour de ce génie malfaisant. L'emploi de ce nom, avec ses consonances arabo-berbères et sa charge de croyances et de représentations, s'est imposé à l'auteur. Aucun des vocables monstre, fantôme ou génie, dont le sens est trop général et les référents trop flous, ne peuvent se substituer au mot « boutelis » dont l'intensité suggestive éveille chez le lecteur arabophone et en particulier tunisien des images, des impressions et des sensations accumulées depuis l'enfance. La morphologie et la structure phonique de ce mot, ainsi que la précision de la description et la force évocatrice des procédés employés par El Belji dans la séquence incipielle de l'œil du jour, suscite aussi l'imagination du lecteur francophone et le prépare à découvrir progressivement l'univers chatoyant et pittoresque de la vie d'une ancienne maison arabe bien ancrée dans son environnement social, historique et topographique. Le choix des noms des personnages se heurte à plusieurs difficultés d'ordre aussi bien phonologique que culturel. El Nebel Hadji Yahya, comme la majorité des Tunisiens d'expression française, a évité de désigner ses personnages au moyen de noms intégrant des phonèmes que le lecteur francophone risque de déformer au niveau de la réalisation articulatoire et de leur faire perdre ainsi leur charme poétique, leur signification et leur appartenance culturelle, tels que Boussain, Allel, Mouaz, Zafer, Khira, Ahlen. Elle a, dans une certaine mesure, forgé des noms motivés d'un point de vue sémantique et fictionnel, qui s'inscrivent de manière harmonieuse dans le récit composé sur le mode du contrepoint à la manière d'une fugue. Je donnerai juste trois exemples représentatifs de cette orientation. Il y a Frida, Frida, la narratrice, qui malgré sa présence, la présence des autres, sa mère Zoubaïda, son ami Zaidoun, vit un sentiment profond de solitude. C'est ce que suggère le nom Frida, qui signifie « seul, solitaire ». Toufail, deuxième exemple, est le nom qu'elle a donné à son fils. C'est un diminutif à valeur affective dérivé de « tufl » signifiant « enfant ». Ce fils est la raison d'être de cette femme divorcée qui patauge dans le marasme de ses convictions et qui continue de considérer son fils comme étant son petit enfant à qui elle doit dicter ses choix et s'immiscer même dans sa vie sentimentale. Il y a aussi Ajib, le nom de l'éboueur qui signifie étonnant, surprenant. Le choix de ce nom est motivé par la posture intellectuelle du personnage en contraste avec son statut socio-professionnel et qui rappelle celle des personnages marginaux dans la littérature francophone maghrébine, ni fou ni sage, prophète sans le savoir et fou sans le vouloir. Ajib est étonnant, il est éboueur, mais, dit la narratrice Frida, son métier d'éboueur ne semble ni l'abaisser, ni assombrir son horizon.
Autre motif générant l'étonnement, il est marqué au signe distinctif des prophètes, et je passe, je vais un peu plus loin. Jérém Soukri a composé, pardon, je ne dois pas passer quand même une poétesse présente, Elhem bin Miled, dans son recueil La Réconciliation, exprime son étonnement face au fonctionnement de la langue française et à l'emploi métaphorique de certaines expressions. Je la cite. Il l'a renversé sur le sol. Il l'a renversé comme un encrier. Que c'est drôle. Pourtant, c'est la vérité. Le langage a de ces expressions. Jérém Soukri, qui a composé son recueil de poésie Suaire de l'aimé, qui se souvient de ses séjours en Syrie, ne peut résister à la tentation d'insérer dans le poème intitulé « Chant pour une ruine » des vers en arabe qu'elle a composés dans la veine de la poésie du poète irakien Badr Shekher Sayed. Les vers requiennent pour les bibliothèques de Bagdad et de Bassora incendiées en 2003. Je vous le lis juste quand même parce que cela mérite d'être lu et d'être connu. Hein. Une poétesse qui écrit en langue française, mais qui est capable d'une très belle écriture poétique en langue arabe. حبر العراق تبر بغداد المذاب حرف الزمان سفر اللسان في ميادين الغياب تحت اللهب. Ça, ce sont des vers composés par Jérém Soukri. J'achèverai par juste voilà, la conclusion. Samir Marzouki, qui s'est abreuvé en tant que sadiquien et agrégé de lettres modernes à la source des deux langues, a choisi d'écrire dans la langue française et dans la langue arabe sans provoquer entre elles des heurts. Il a en outre traduit son recueil de poésie « Je ne suis pas mort ». Le poète accompagne le titre d'une épigraphe empruntée à la langue médiévale. « Je ne suis ni encore mort ». Cette citation précède la première strophe qui dit dans la langue de l'autre son appartenance culturelle et civilisationnelle et la revendique sans détour. « Je suis mort et sarrasin, Hannibal et Saladin m'ont péri, pétri comme une amphore. » Et puis, je ne suis pas mort. Ces quelques exemples sélectionnés certainement avec la subjectivité de l'humain et les penchants du poète, du romancier et de l'universitaire montrent qu'écrire dans la langue de l'autre n'est pas sans conséquence, mais aussi qu'écrire dans une langue qu'on a choisie ou qui nous a été imposée d'une manière ou d'une autre ne conduit pas fatalement vers les heurts des deux langues. Dans le cas que nous avons considéré, les deux langues en présence sont l'arabe et le français. En progressant dans son histoire personnelle et dans l'histoire collective, l'écrivain tunisien d'expression française est amené à créer, en adoptant une attitude plus réfléchie par rapport au thème qu'il traite, au choix esthétique qu'il adopte et à la détermination de son intention. À chaque fois qu'il accomplit cet acte qui l'engage artistiquement, culturellement, politiquement, celui d'écrire dans la langue de l'autre, même si son rapport à cette langue, en l'occurrence la langue française, est un rapport fondé sur la passion. Je vous remercie. Merci, c'est Martin. J'ai permis aux conférenciers de dépasser, et j'en suis responsable. Il a dit tellement de choses gentilles sur tous les auteurs tunisiens qu'il a étudiés que je ne pouvais vraiment pas lui couper la parole. Tu sais ce que tu dois faire, hein, mais si tu veux dépasser ton temps de parole. À toi. Merci. Bon. Ah, il n'a pas fait. Non, ça va marcher.
Tu ne parleras pas ma langue. C'est le titre de ma communication. Mais j'ai mis... Tu ne parles... Ça va mieux, là ? Tu ne parleras pas ma langue. C'est bon, voilà. Tu ne parleras pas ma langue. J'ai mis en fait des guillemets au titre de ma communication. Mais les guillemets ont malheureusement sauté et on ne les voit pas dans le programme. J'ai mis des guillemets parce que j'ai emprunté cette phrase drôle et désopilante à l'essayiste marocain Abdel Fattah Kilito, dont l'essai « Lan tatakallama lourati » a été traduit en français et publié par Actes Sud en 2008, sous le titre « Tu ne parleras pas ma langue ». C'est un livre touffu, plein d'érudition et parfois d'humour. L'auteur y aborde la question des relations entre les langues à travers des points de vue d'écrivains et d'intellectuels arabes qui, au cours des siècles, se sont prononcés sur la problématique des langues étrangères. Parmi eux, Jehev, Hamadani, Ibn Battuta, Tahtawi, Fils Shedier, Manfanouti et bien d'autres. La conclusion à laquelle il aboutit est que l'avis des auteurs arabes sur cette question varie au cours de l'histoire et que cette variation est en étroite relation avec l'essor et la puissance de la culture arabe ou, au contraire, sa faiblesse et sa carence. Entendez par là qu'en période de déclin, le lettré arabe ne maîtrise pas la langue de l'autre et en plus, il n'aime pas que l'autre maîtrise sa langue parce qu'il craint d'être dépossédé de lui-même, de son intimité, de son univers par un autre dont l'avidité de savoir est sans limite. J'attends. Envers cet autre, il a une attitude ambivalente de fascination et de révulsion. En fait, il semble troublé par cette soif de connaissance et donc de puissance présente chez l'Européen qui cherche à connaître tous les livres, tous les espaces, tous les arts, toutes les sciences, toutes les mœurs des hommes, sans laisser aucun domaine en friche. Tel était l'idéal européen depuis la Renaissance. Soif de connaître qui suscite en lui ce réflexe de défense qu'est le repli sur soi. Tout se passe donc comme si le lettré arabe entrait en résonance avec l'histoire, dans son flux et son reflux, comme s'il était manœuvré par elle, et que sa perception de l'étranger et de sa langue était dictée par la place que chacun occupe sur l'échiquier du monde. Ce qui se dégage finalement de l'essai de Abdel Fattah Kilito, dont j'ai repris le titre, c'est que le rejet de la langue de l'autre est une frilosité accompagnant le déclin. Mais est-ce un contre-feu efficace à la toute-puissance de l'autre ? À ses connaissances, à son esprit critique, à la diversité de ses opinions, au savoir colossal dont il dispose, on peut en douter. Cependant, en réfléchissant bien,
Y a-t-il une autre langue que celle de l'autre? Y a-t-il autre chose que la langue de l'autre? C'est là que ça devient difficile. En vérité, ce n'est pas tellement le rapport entre les langues dans l'histoire qui me préoccupe dans le présent travail, mais la relation de chaque écrivain dans son expérience d'écrivain à sa langue d'écriture. Et sur cette problématique, on trouve chez Derrida, dans son livre « Le monolinguisme de l'autre », qui a été publié en 1996. On trouve dans cet essai une approche très intéressante que certainement la plupart d'entre vous connaissent. Enfin, j'en sais rien. Dans cet ouvrage, l'auteur, Jacques Derrida, se livre à une sorte d'auto-analyse approfondie où il tente de lever le mystère qu'il porte en lui-même par le biais d'une réflexion sur la langue. Le cheminement de cette analyse débouche sur l'affirmation suivante : je n'ai qu'une seule langue et ce n'est pas la mienne. Cette phrase est l'épicentre de l'ouvrage de Derrida. Elle s'impose à l'auteur à travers l'examen qu'il fait de son histoire individuelle dans ses composantes intimes, dans ses paradoxes, dans sa fantasmagorie, dans ses zones opaques. À l'intérieur, bien sûr, d'une situation donnée, d'un pays, d'un contexte social et politique. Enfant juif, né en 1930 en Algérie, le français est la langue unique qui s'est offerte à lui dès la première enfance. C'est la langue dans laquelle il s'est très vite réfugié, qu'il a en même temps crainte et, dit-il, aimé comme un fou. Ce sont ses termes à lui. Et dont il dit pourtant et répète à satiété qu'elle n'est pas la sienne. C'est uniquement à travers elle qu'il se saisit comme corps chargé d'énigmes, d'ambiguïté, de passion, comme subjectivité et comme différence, comme nœud de relations vertigineuses et réseaux serrés d'expériences diverses, comme individualité en contact avec le monde. Quand il commence à écrire, ça ne peut être qu'en elle. Et pourtant, il maîtrise parfaitement d'autres langues dans lesquelles il fait par ailleurs de nombreux travaux de traduction. L'idée à laquelle aboutit progressivement Derrida est qu'il y a toujours, toujours un décalage, un hiatus entre la langue et celui qui l'utilise. Mais jamais, jamais ne la possède. La langue est un être, dit-il. On ne peut pas la posséder. Elle ne peut pas nous appartenir. Elle appartient à un autre, forcément. Le retour attentif sur soi permet de repérer la place de la langue dans cette distance de soi à soi qu'en même temps elle révèle et aide à combler. Toujours on écrit dans une langue étrangère et on réalise dans cette langue qu'on est étranger à soi-même lorsque la langue résiste précisément, que les mots échappent et qu'on ne les retrouve que dans un long mouvement de va-et-vient entre l'autre et soi-même comme un autre, pour reprendre le titre d'un ouvrage de Paul Ricoeur. Cette réflexion de Derrida est menée en étroite relation avec son grand ami marocain Abdelkbir Khatibi, dans le cadre d'un dialogue sur la francophonie littéraire auquel fait largement référence l'ouvrage que je vous citais, « Le monolinguisme de l'autre ». Donc, c'est en fait l'aboutissement d'un dialogue qui a duré des années, qui a pris beaucoup de temps et d'énergie,
à Derrida dans une espèce d'interface permanente avec cette langue et avec ceux qui la parlent dans un rapport toujours différent. Et donc c'est pour ça que j'évoque Abdelkbir Khatib, et c'est parce que dans l'ouvrage il parle longuement de lui et il revient sur les similitudes et les différences qu'il y a entre Derrida et Khatib. Dialogue faisant référence à de nombreux autres auteurs qui jugent eux aussi que la langue est relation complexe, appropriation impossible. C'est d'ailleurs ce qui permet, selon eux, la créativité, la libération par l'écriture, l'invention d'une identité entre guillemets qui n'est pas une identité naturelle reçue à la naissance, mais l'identité singulière d'un écrivain, identité construite, déconstruite. Derrida, théoricien de la déconstruction par excellence, en arrive à conclure que cette situation est universelle. L'écrivain est celui qui entretient une relation distante avec la langue. La langue ne lui appartient pas. Elle est promesse ou terreur. Elle est désir, projet contrarié, interrogation, exil, expatriement, fil perdu, fil cassé, renoué. Elle est étrangère. Elle est une aliénation, toujours recommencée. J'ai presque fini. Tout en rappelant à votre souvenir la belle phrase très connue de Marcel Proust, les beaux livres sont écrits dans une sorte de langue étrangère. Il me plaît de vous citer rapidement, dans une approche toute déridienne pour ainsi dire, deux auteurs parmi tant d'autres qui ont su dire et assumer l'étrangeté de la langue. D'abord le romancier australien d'origine sud-africaine, John Coetzee, je prononce mal le nom, C-O-E-T-Z-2-E, prix Nobel de littérature en 2003, élevé dans la langue anglaise, et qui, dans une lettre à Paul Auster, grand écrivain américain, un des plus grands contemporains et encore en vie. Donc, le prix Nobel de littérature, écrit à Nobel, à Samhouni, à Paul Auster, je cite, « Ce qui m'intéresse est de voir Derrida affirmer que, bien qu'il soit monolingue en français, entre parenthèses, monolinguisme selon ses propres critères, malheur à Derrida, le français n'est pas sa langue maternelle. Cette déclaration m'a frappée. Il aurait pu aussi bien écrire cela sur moi et sur ma relation avec l'anglais. » Parce qu'il est anglophone, donc, Goethe. « Ni lui, ni moi ne sommes exceptionnels. Nombre d'écrivains et d'intellectuels entretiennent avec la langue qu'ils parlent et écrivent une relation distante et interrogative. Et en fait, qualifier la langue qu'on utilise de langue maternelle est devenu clairement démodé. Comme Derrida le souligne, comment peut-on considérer une langue comme quelque chose qui vous appartient ? La langue est toujours la langue de l'autre. S'aventurer dans la langue est toujours un franchissement de limites interdites. » Fin de citation. Cette lettre à Paul Auster, je l'ai trouvée en fait dans l'ouvrage de Semia Kassab Sharfi et François Rastier. Leur livre s'intitule « Mille langues et une œuvre » et il a été publié en 2016 aux éditions des Archives contemporaines. Ensuite, j'ai dit que j'allais vous parler rapidement de deux auteurs. Ensuite, le poète et écrivain algérien Gemeldine Benchir, qui, interrogé sur son identité littéraire et sa langue d'écriture, répond « La rumeur du monde me parvient à travers la langue française. Et le français,
m'entraîne sans retour de paysage en paysage. Ainsi, pourvu de deux langues, je suis irréductiblement arabe, irréductiblement français, en ce double mouvement de l'esprit qui choisit sa liberté dans ce qui l'exalte et non dans ce qui le mutile. Une seule qualification, deux points, poète, le reste ne regarde personne. Fin de citation, c'est Jemeldine Benchir. Personnellement, je fais mien ces propos et ces éclairages. La langue dans laquelle j'écris m'embarque dans un voyage où le connu et l'inconnu se mêlent. Elle ne m'est ni maternelle, ni naturelle, et je ne peux me l'approprier. C'est un lieu de clair-obscur où j'avance à tâtons, où je me retrouve à vouloir parler et à être obligée de me taire, parce qu'elle me résiste. M'oppose ses silences, me met face à mes limites. Mais sans ce voyage, je serai captive. Sans les silences auxquels elle arrive souvent à me réduire, sans cette impuissance qui est mienne et qu'elle me révèle, sans les obstacles qu'elle met sur mon chemin, m'obligeant à aller chercher aux confins du réel le moyen de les surmonter, ma parole ne serait que bavardage. Elle ne serait ni ma peau, ni ma pensée, ni mon cœur quand il s'arrête de battre. Il me manquerait justement ce moment essentiel entre tous où les mots se refusent. Car c'est bien là où ils viennent à manquer, là où ils cessent de faire leur petit cinéma, que surgit l'écriture. Celle qui prend le dessus sur les ombres des discours présomptueux et trace dans un vouloir dire nouveau, dans l'heure et le malheur de la diglossie, les mots d'une langue à naître qui n'en finit pas de naître, jamais possédée, jamais acquise, celle de l'écrivain. Ce n'est pas ma langue natale, c'est la langue de mon texte et de ma naissance à moi-même en tant qu'écrivain. La langue omniprésente et pourtant lointaine, habitat incertain. Je me sens et me sais séparée d'elle par une distance qui, des fois, les jours où le ciel est bas, où ça ne tourne pas rond, devient infranchissable et ressemble à un impénétrable abîme. Merci. Je suis admiratif et respectueux de l'émotion que tu dégages en parlant de la langue comme territoire autre. Mais territoire si accueillant. Merci, merci à tous les deux. Je vais vous demander de laisser vos places à deux collègues qui vont intervenir là, après vous. C'est ça, monsieur Sarr, et Wafer, madame Wafer. Merci. Nous enchaînons donc avec Sissa Ralbi également, nous sommes toujours dans l'ambivalence, comme nous l'étions avec Simurtar, universitaire et créateur. En même temps, c'est le cas également de Madame Mofer Seyes Wolari. Nous les écoutons, c'est ça.
Oui. Merci, Pénel. Souvent, en parlant de leur rapport à la langue française, les auteurs maghrébins se présentent comme des moins tourmentés, tiraillés, voire disjoints. Si écrire est déjà en soi un acte périlleux, chez ces auteurs, écrire dans une langue qui n'est pas la leur et qui est de surcroît celle des anciens dominants, apparaît comme une épreuve à la limite de vie tragique. Chez eux, les enjeux de lisibilité ou de créativité littéraire se retrouvent ainsi occultés au profit d'un perpétuel questionnement sur le rapport problématique à la maudite langue, entre guillemets. Plus encore, devenue centrale, cette question va aussitôt alimenter la curiosité de la critique littéraire, qui n'hésitera pas à surfer sur la vague pour se mettre aussitôt à glaser laborieusement sur des thèmes comme ceux d'identité, de dualité ou d'altérité. Généralement, ces auteurs dits francophones, pour qui l'écriture est vécue comme une expérience peu apaisante, sont soit dans l'autoflagellation, soit dans la contestation, prêts, disent-ils, à en découdre avec cette langue qui serait, entre guillemets, aliénante, prédatrice, qu'il faudrait par conséquent virer. Fin de citation. D'ailleurs, chez certains d'entre eux, le ressentiment est tel qu'il finit parfois par s'exacerber et se transformer en hostilité dont la cible dépasserait un champ linguistique particulier pour viser tout un espace culturel élargi. Je cite, « Quand je danse devant toi, Occident, sache que cette danse est désir mortel », écrit Khatib dans La mémoire tatouée. C'est pas mal. En somme, pour ces auteurs, l'écriture cesse d'être une aventure individuelle et singulière. Loin de là, dès qu'ils prennent la plume, ces moins en crise se sentent dans l'obligation de rendre des comptes à la masse, de se barricader derrière une idéologie dont les contours sont souvent flous et aléatoires et de se positionner dans l'histoire. Parfois, on a l'impression que pour s'auto-légitimer, ces écrivains se sont obligés de donner des garanties à leur public pour, en revendiquant fort leur attachement à leur communauté d'origine et en adoptant la posture de la défiance à l'égard de cette langue venue d'ailleurs qui les fascine et les inquiète à la fois. Personnellement, ce récit de la crise identitaire, entre guillemets, ne m'a jamais séduit, ni même préoccupé. D'ailleurs, je le trouve stérile et souvent peu sincère. Quand j'écris en français, je n'ai pas d'autres ambitions que celle de m'offrir du plaisir. Un plaisir simple et solitaire. N'en déplaise à certains, depuis que je pratique cette langue, jamais je n'ai eu le sentiment que mon identité fut menacée, comme je n'ai jamais cessé d'être moi-même, c'est-à-dire une personne ayant un identifiant pluriel. Au contraire, j'ai toujours considéré que l'usage du français en tant est un acte pour soi, qui ne souffre aucune indiscrétion. Par conséquent, tous les enjeux qui dépassent ma personne, je les ignore. Toutes les considérations idéologiques, ethniques, historiques me sont inaudibles et étrangères. Pourquoi? Je ne sais pas. Peut-être parce que je suis né la veille de l'indépendance du pays, par conséquent, j'appartiens à cette génération qui n'a jamais connu le bruit des bottes étrangères. D'ailleurs, même la bataille de Bizerte,
le seul souvenir que j'en garde est celui du chant patriotique de Aulaya, place obscure, diffusée et amplifiée par les mégaphones du parti. Il est fort possible que cela soit dû aussi au fait que j'ai la chance d'appartenir à un pays dont le premier président, à différence des autres leaders politiques de la région, en privilégiant la douce séparation à l'amiable avec l'adversaire d'hier, que la répudiation m'avait en quelque sorte épargné de vivre dans le ressentiment et le dépit ou dans la culpabilité. Et puis, contrairement à d'autres, il se trouve que les premiers Français que j'ai connus, qui aient durablement marqué ma vie de collégien et plus tard de lycéen, ne portaient pas de treillis, mais plutôt des blouses blanches. Ainsi, j'ai encore vivant le souvenir de Madame Bournos, mon professeur de français avec son ton maternel, en train de redresser patiemment mes maladresses d'écolier, et plus tard celui de M. Zieberlin, mon prof de philo, cet agitateur d'idées qui sut me communiquer sa passion pour la contradiction, m'inculquer les vertus du doute et m'inoculer la liberté de penser. En somme, ma rencontre avec cette langue ne fut jamais problématique et encore moins tragique. Loin d'être un butin de guerre, comme disait l'autre, celle-ci fut comme une révélation. Ainsi, mon histoire avec elle fut simple, douce et sans a priori. À la fois altière et avenante, cette langue était là, jouant de ses charmes, quand un jour j'allais vers elle, poussée au début par une curiosité toute juvénile, avant que je ne succombe à ses appâts. Depuis, je ne la quittais plus, comme embouté aussi bien par sa vigueur que par sa délicatesse, n'ayant d'autres ambitions que celle de jouir de sa proximité. À l'époque, j'étais tellement épris d'elle que même ses mièvreries me paraissaient captivantes. Et puis, je me sentais tellement serein en son agréable présence que jamais je n'eus envers elle de la méfiance, car la méfiance est l'ennemi du plaisir. Et ce fut le début d'une longue et tumultueuse idylle, faite de rendez-vous de plus en plus rapprochés, où certes les moments de doute, de tiraillement ou d'abattement n'étaient pas rares. Mais ni les caprices de ma délicieuse compagnie, ni ses exigences, ni même ses dérobades ne parvinrent à me désespérer ou à m'en éloigner. Il fallait contrairement être patient, ne pas trop heurter sa sensibilité à fleur de peau ou altérer son humeur. Il fallait plutôt savoir tantôt la câliner pour me faire pardonner certaines de mes infidélités, tantôt me laisser bercer par la douceur de sa musique. Au cours de nos rencontres, les innombrables histoires qu'elle me racontait attisaient mon imaginaire. Et les chants variés qu'elle me récitait me charmaient. Mais encore, ce fut à ses côtés que j'eus la chance de voir, jour après jour, s'élargir les limites de mon petit monde d'adolescent. Et nous voilà, tous les deux en train de déambuler allègrement d'une contrée à une autre, à la découverte de nouveaux horizons. Steinbeck, Buzzati, Dostoïevski, mais aussi Goethe et Dickens. Sans elle, je n'aurais jamais eu l'opportunité de savourer pleinement les charmes de leurs univers respectifs. Avec le temps, je parvins à mieux connaître mon étrangère,
a percé beaucoup de ses secrets, a mérité peu à peu sa confiance. Et une certaine familiarité finit par s'installer entre nous sans que l'attrait de cet être ne cessa d'agir sur moi. Et un jour, nous finîmes par entrer en intimité. Et comme l'envie de semer me démangeait, je me pressai de mettre en elle ma graine. Et aussitôt, elle devint mon porte-voix. Cette voix encore frêle, hésitante, portant mes confidences, mes récits, voire mes délirantes pensées. Et semence après semence, notre complicité ne put que s'affirmer, même si rien n'était acquis et que la tâche restait toujours fort ardue. Votre vous êtes, mais que fait cette étrangère barbillon? Et ainsi la voix de la discorde, jalouse, se met à ton nez, cherchant à troubler ma paisible inclination. Mais pourquoi tant d'acharnement et de haine? Pourquoi tant de crispation? Demandai-je. Et pourquoi elle? Pourquoi cette langue qui est sur le déclin? C'est l'anglais qui est désormais la langue des sciences, la langue de notre époque. Rétorquèrent les plus ingénieux parmi ces orphelins de la raison, comme si le Moyen-Orient anglophone était le temple du savoir, de l'intelligence et du progrès. Et notre identité, qu'est-ce que vous en faites? Féminaire, en écho, les voix des prétendus défenseurs de l'authenticité. Ces gardiens zélés de la supposée identité, tout en maudissant cette frondeuse qui devait troubler leur poussiéreuse certitude. Mais que faire face au tumulte? Faut-il me laisser intimider, renier ma propre passion? Non, il n'est pas question de déserter, de quitter le maquis. Non. Il n'est pas question de rougir, de me justifier au prix de la cohue. Je n'ai rien à négocier au nom d'une identité indéterminée et ombrageuse. Et puis, je n'ai pas besoin de m'inventer un ennemi pour me sentir exister ou pour plaire à ces esprits mélancoliques, otages d'une fierté outrancière et stérile. Mon authenticité, je ne la vis pas dans la méfiance ou dans la suspicion, mais en renouant avec ce passé lointain où la curiosité fut sans borne, où le rapport à l'autre fut synonyme de richesse et d'épanouissement. Et puis, après tout, seule ma propre jouissance compte. Dégage, dégage, dégage! Ce cri de colère combé spontanément un certain 14 janvier 2011 par une foule de Tunisiens assoiffés de liberté, entraînant incidemment le départ précipité de Ben Ali, reste un moment fort bouleversant. Cet événement inédit, dont le retentissement planétaire avait été immédiat, eut un impact profond sur le devenir du pays et le devenir historique, non seulement de la Tunisie, mais aussi celui de tout le monde arabe. 10 ans après cette mémorable journée, le cri inattendu continue à m'interpeller. Mais comment ce jour-là, cette foule hétéroclite, rassemblée à l'avenue Habib Bourguiba, se retrouva-t-elle en train de crier à l'unisson « Dégage ». Pourquoi ce jour-là, ces femmes et ces hommes choisissent-ils un slogan dans une langue qui se rétrécissait dans un pays désarçonné, en proie au doute, victime de la lâcheté de ses dirigeants? Le mystère
reste entier. Dégage, quelle belle destinée pour une simple injonction, devenue subrepticement le sésame de la liberté, puisque 2 semaines après la fameuse journée, le slogan finit par être arabisé et revendiqué par les jeunes révoltés égyptiens de la place Tahrir, mais aussi plus tard par la contestation yéménite. Néanmoins, même si les deux vocables, dégage et erhal, portent le même sème et rendent compte de la même envie de se débarrasser d'un pouvoir étouffant, la valeur performative, leur valeur performative et leur charge cognitive ne seraient pas la même. Car le slogan scandé en français, sonorité plus engageante, revendiqué par une foule tunisienne, semble porter en lui-même autre chose que l'expression de la nécessité d'une alternative politique. Autrement dit, l'injonction dite dans la langue de l'autre, comme diraient certains, traduirait autre chose qu'une simple attitude de défi ou une preuve d'impertinence à l'égard de l'incarnation du pouvoir. Ce jour-là, on dirait que le mot était là, une immersion, quand à son insu, la conscience collective s'en était saisie afin de donner une certaine légitimité à cette lancinante détermination, lancinante détermination, celle de s'affranchir d'un régime despotique. De ce fait, cette foule enthousiaste n'avait rien à voir avec celle des jeunes sortis manifestés 3 semaines plus tôt à Sidi Bouzid, à Kasserine ou à Tel. En effet, alors que ces derniers étaient dans le ressentiment et dans le vague rejet, celui d'une autorité répressive, le public des manifestants réunis à l'avenir de Bouzid, composé de leurs aînés, plus politisés et plus instruits, choisit quant à lui le fameux « dégage », un slogan qui, tout en portant en lui les germes de la contestation, renvoie implicitement un idéal politique, lequel reposerait sur un socle de valeurs que la classe politique post-14 janvier peine depuis 10 ans à concrétiser. Aussi surprenant que cela puisse paraître, ce vocable serait l'authentique expression de cette volonté de donner à la refondation politique une assise culturelle réaffirmant l'identité plurielle du pays. En réalité, entre les deux communautés, il y aurait comme un double hiatus à la fois social et culturel. Car un monde sépare les jeunes provinciaux, enfants de l'école de Ben Ali, sortis prendre leur revanche contre un père fouettard, et ces citadins, enfants de l'école dite bourguibienne, que certains militants arabo-intégristes se plaisent à taxer d'orphelins de la France et qui portent en eux le vœu de voir le pays se doter d'un projet, d'un véritable projet de rupture culturelle avec le pays, avec le passé. Aujourd'hui, à l'ère du retour du tribalisme culturel, celui du triomphe amer des forces rétrogrades qui agitent l'étendard de l'ostracisme et du repli sur soi, la résonance de dégage est désormais inaudible, perdue dans le tintamarre d'une multitude sans repère. Alors, tiraillé entre la tentation de nous confiner, le désir brûlant de ne pas capituler face à l'infâme, et fidèle à mon inclination, je me démène seul à tracer ma voie, sans me désavouer et bouder ainsi mon plaisir, mais aussi sans autre prétention que de témoigner. Même si Dégage n'a pas tenu sa promesse, que jour après jour, l'espoir d'un monde nouveau fait de tolérance, de liberté et d'ouverture s'amenuise,
je continuerai patiemment à me confier à ma chère étrangère et jouir ainsi de cet espace de liberté, mon seul rempart contre l'aigreur et l'abattement. Merci. Merci, c'est ça, là, pour ce témoignage. Là aussi, il y a beaucoup d'émotions. Effectivement, je ne savais pas que la langue était porteuse d'autant d'émotions. Je suis sûr qu'ils vont cela demain avec quoi faire. Pas vraiment. Bonjour, je tiens à remercier les organisateurs de nous avoir donner la chance d'être là. Et en guise d'avant-propos, permettez-moi une confidence. J'ai le trac. J'ai le trac. Prendre la parole n'est pas aisé. D'ailleurs, j'ai été tentée de m'inventer une maladie, une espèce de fièvre covidale ou même la rougeole, pour ne pas avoir à exposer mon verbe vacillant et hésitant à la rigueur du savoir de mes professeurs ici présents. Madame Ali Abakar, bien sûr, professeur Kaha, professeur Samine Marzouki, professeur Rafifa Marzouki. Rimbaud cherchait des poux, Djaout cherchait des os. Moi, je vais tenter de chercher la petite bête chez nos auteurs tunisiens francophones bilingues. Sommé de prendre part au festin francophone soigneusement concocté par le colon français, l'Algérien Mohamed Dib se proclame fin gourmet dans une interview accordée à Tadjaout. Il dit « La langue française est à eux, elle leur appartient, qu'importe, nous en avons chipé notre part et ils ne pourront plus nous l'enlever. » Ils n'attendent pas moins que nous les en remercions, mais qui des uns devrait remercier les autres? Et si, parce que nous en mangeons aussi de ce gâteau, nous lui apportions quelque chose de plus, lui donnant à notre goût un goût qu'il ne lui connaissait pas? Je reste là, à camper sur le terrain vague d'une langue. Sur ce terrain, Mohamed Dib ne sera pas longtemps seul à camper. Très vite, d'autres ventres gourmands le rejoignent. C'est que la tentation de désappropriation est grande et le goût des belles lettres adoucit l'amertume des bouches affamées. Du Maroc monte le même appétit qui fait dire à Khatibi « Quand j'écris, je le fais dans la langue de l'autre, cette langue n'est pas une propriété ». La communauté juive tunisienne, comme en témoigne Gilbert Nakash, se serait elle aussi invitée au banquet, sacrifiant sa langue, le judéo-arabe, presque de manière inconsciente, je cite Gilbert Nakash, à l'autel de la domination coloniale française. En 1957, Albert Memmi soutenait dans son portrait du colonisé que, je cite Albert Memmi, « dans le contexte colonial, le bilinguisme est inévitable ». Et l'apprentissage de la langue française sauve quelques enfants de l'analphabétisme. Mais la masse des colonisés n'a pas accès à l'école. L'écrivain, en apprenant le français, a appris à mépriser sa langue première, écrasée, humiliée. Albert Memmi s'attarde sur le triste sort de l'auteur juif qui se retrouve par une sorte de tragédie du destin, contraint à livrer un combat solitaire et risquer ainsi d'être éternellement incompris par la masse imperméable qui l'environne. Je cite encore Memmi qui écrit « S'il s'obstine à écrire dans sa langue, il se condamne à parler devant un auditoire de sourds. Le peuple est inculte et ne lit aucune langue. Les bourgeoises et les lettrés n'entendent que celle du colonisateur. Une seule issue lui reste, qu'on présente comme naturelle. » Qu'il écrive dans la langue du colonisateur, comme s'il ne faisait pas que changer d'impasse. Le portrait de colonisé s'esquisse à coups de mal identitaire, de sentiments d'aliénation et de perte de repères. Mais celui de l'auteur, pris dans le même piège, prisonnier de la même impasse, n'est pas mieux servi. C'est dans ces circonstances douloureuses de défloration que naquirent successivement la littérature algérienne de langue française, la littérature marocaine de littérature marocaine et la littérature tunisienne, quoique la venue au monde de cette dernière ait été plus tardive.
C'est une question de Racine ou de Corneille d'ailleurs. De Corneille d'ailleurs qui soutenait aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années. Alexandre Mordechai Ben Ilouch peut encore dire « Je suis juif, mais pas comme vous ». Le cogito, il pense tant qu'il est, et s'il révèle une perte de l'autre, atteste une volonté de renaissance à soi, une tentative de naissance. Mais les damnés de la terre de Franz Fanon ne pensent plus. Entre les damnés de la terre et la statue de sel, on opte pour le sel. Il y a les Tunisiens dont le portrait est encore possible, il y a les damnés de la terre, les damnés des il y a la terre damnée des Algériens défigurés. Malédiction en malédiction, aurait dit Chid Mimouni. Trop de fleurs détournées, trop de sang à couler, il y a Sétif, le massacre qui aiguise la plume. Il y a le massacre du 17 octobre 1961, la verve de Ketbi Essine qui s'enflamme au feu des poudres des fusils. Peuple français, tu as tout vu, oui, tout vu de tes propres yeux. Tu as vu notre sang couler, tu as vu la police assommer les manifestants et les jeter dans la Seine. Il est vrai que le miracle a été Nejma, le grand Hijaz de Essine, qui a valu un patronyme à un énoncé venu d'outre-France. Au nom de Ketb, de Nejma et de la Sainte Algérie, la Tunisie vient après. C'est que la douce Tunisie n'est pas dans la résistance. Il y a la chair à canon et il y a les canons de la chair présidentielle, la chair de l'émérita, langue de bois ou parole d'honneur. Quel canon ! Contrairement à la terre d'Algérie, à feu et à sang pour chasser les envahisseurs, le sol de la Tunisie est sous haute protection. Celle de la France d'abord et ensuite celle du patriarche qui veille. Il fait de la résistance, il négocie, monnaie, louvoie. Il y va de l'intérêt de notre douce Tunisie. Intervenant devant l'Assemblée nationale du Niger en décembre 1965, Habib Bourguiba, alors chef de l'État tunisien, résumait en ces termes leurs revendications communes. La langue française constitue la pointe au patrimoine culturel du peuple africain. Enrichit sa pensée, exprime son action, contribue à forger son destin intellectuel et en faire des hommes à part entière. Pour la littérature tunisienne, pas de violence du texte, comme aurait dit Marc Gontard. Les canons se font lisses. La caresse dans le sens du poil des éditions parisiennes qui, ironie du sort ou curieux paradoxe, offre l'asile au combat des Tunisiens. Et la Belgique qui se présente au demeurant comme l'une des rares voix féminines à s'être engagée dans le combat politique et social, dénonce le despotisme du président Bourguiba, la censure et la langue de bois, avec un premier livre, Le désenchantement national, essai sur la décolonisation, publié aux éditions Maspero à Paris en 1982. En 2008, Nous décolonisés, paru aux éditions Arléa à Paris également, est une réflexion sur les populations libérées du colonialisme extérieur, mais pas de la colonisation des Tunisiens eux-mêmes. Nous sommes, écrit l'auteur, nous ne sommes pas les auteurs de la modernité, nous en sommes des émules et pour longtemps encore les disciples. Certes, nous sommes doués de facultés d'imitation, mais nos gestes restent un peu imprécis, incertain, sans méthode. Est-il opportun de s'attarder sur le singulier paradoxe des maisons d'édition parisiennes pour dénoncer le traumatisme de la colonisation? J'y reviendrai peut-être. Comment écrire? Non, là j'ai une flèche, voilà. Des voix féminines qui disent leur émancipation, leur indépendance et leur modernité, victoire sur une société patriarcale aux mœurs sclérosées, une panoplie de titres qui drainent comme un écho venu d'autres rives et d'autres temps. À chacune sa sentimentèque, comme aurait dit Chamoiseau. Il y a une quarantaine d'années d'intervalle près, L'œil du jour de Hélène Béji, édité à Paris par les éditions Nadeau en 1985, qui sonne comme l'écume du jour. Il y a aussi l'imposture culturelle. Peut-être un clin d'œil à l'imposture de Georges Bernanos pour fustiger les radicalismes des identités meurtrières, principale cause du désespoir existentiel. Il y a M. L. de Azefileli qui sonne un peu comme M. Test, un peu par une centaine d'années avant. Autant de titres qui défraient l'imagination, mais aussi la chronique, parce qu'il y a chronique frontalière de Emna Ben Hajjah, mais il y a aussi chronique d'un décalage de Azefileli.
Ce paradis de femmes inspirera peut-être son titre à Ali Bechr. Titre qui n'est d'ailleurs pas sans en rappeler d'autres. Au bonheur des dames, de Zola, ou même l'école des femmes, de Molière. J'ai presque envie de dire l'école des femmes, pour reprendre le titre de la fameuse émission de Jacques Martin. Une émission gaillarde, des enfants au regard franc et à la parole malicieuse, qui parlent de leurs parents avec leurs mots d'enfant, avec la naïveté de leurs mots d'enfant, mi-figue, mi-raisin, sans venimosité et ni même rancœur. Un peu comme ces autobiographes dont Khatibi qualifie le texte d'autobiographie à la 2D dans son ouvrage « Le roman maghrébin ». Comment écrire en pays dominé, en société dominée? Il y a ceux qui écrivent comme, ceux qui écrivent contre, et il y a ceux qui écrivent. Règlement de compte ou réconciliation, pour reprendre le titre de Lembel Millet. Il y a aussi ceux qui restent, et il y a ceux qui choisissent de partir, en quête de soi, dans la rencontre avec l'autre, l'étranger, une fuite en avant. La fuite des cerveaux qu'indispose l'ignorance des indigènes, leur patois indigeste, trop en avance sur une société, handicapée par la misère, engluée dans la masse analphabète, les laissés pour compte, un système colonial aveugle et une politique à l'occidentale. Ils les abandonnent, ils s'en séparent, les abandonnant à leur triste sort. Ils s'avèrent peut-être impuissants à le gérer. Il y a ceux qui restent et il y a ceux qui partent. Il y a le corps de ma mère, tiraillé entre le cordon ombilical et le ventre de Paris, le Paris de Zola et le kef de Fawzia Zouheri menant la danse, une valse hésitante entre la retournée, la revenante, présence fantomatique du bilingue sous l'enduit de la biculture. Je cite Fawzia Zouheri, « Je m'en veux de n'avoir pas été témoin de la passion de ma mère. » De son dernier chant de vie, de ses maximes indéchiffrables, de ses expressions qui fleuraient le désir et charriaient des rimes arabes à profusion. Je m'en veux d'être partie loin d'elle. L'exil, c'est peut-être ça, vivre en dehors du temps de sa mère. Paris, terre d'exil de ceux qui ont choisi de partir, le cœur rompu aux océans, comme dirait Bekri. Des voix s'élèvent dans la traversée de l'Italie, de Majid al-Houssi, de New York, de Mostafat Lili avec la rage aux tripes, et de Genève, Fawzi Malleh nous offre un conclave, le conclave des pleureuses, véritable champ de mine où chaque nom déclenche une avalanche. Aïcha Dinar, allusion à sa cupidité, Fatma la lampe, la beauté lumineuse, Tofir grain de sel, parce qu'ils font comme le sel dans l'eau, Hama le rouge. Le nom ne colle pas à la peau. Il est lui-même une première peau, archaïque, fossile, dont le bilinguisme ne peut faire taire les origines, en estomper la couleur, en effacer les effluves, remontant d'un chaudron qui bouillonne depuis des temps immémoriaux dans la mémoire collective. Empreinte spectrale d'un sujet double et dédoublé par le vœu de n'être plus désir d'anéantissement dans une sorte d'acculturation, une culture du monopole ancestral, monopole de la biffure, de la rature, de la déchirure identitaire. Les anamnèses, les anabases, les anabioses, pour reprendre Chamoiseau, envahissent la page, celle de la mémoire collective. Derrière les mots se lève la parole coranique, ou du moins son double transgresseur. Un impératif ouvre le texte de Fawzi Malleh. Écrit que je suis née à l'âge inaugurateur d'un père saint et d'une mère pleureuse. Fin de citation. Comment ne pas penser à notre fiat dictée dans des temps plus sacrés? Lis au nom de ton Seigneur qui t'a créé, injonction divine, qui ouvrira d'ailleurs le chapitre 2 du même livre. Prisonnier des arcanes d'une culture de monothéiste, monogame, monarchie présidentielle, le bilinguisme est-il condamné à être prisonnier de la traduction d'une langue l'autre, jetant l'anathème sur chaque mot, transcrit en alphabet française, il le hante jusqu'à l'anéantissement total. Muet, troquer sa peau d'arabo-musulman contre une peau neuve, au mieux vers l'universel européen. Dans Monolinguisme de l'autre, Derrida invoque cette boutade de Kafka à propos d'écrivains juifs qui se sont attelés à l'allemand. Je cite, « Leurs pattes de derrière collées encore au judaïsme du père ». Et leurs pattes de devant ne trouvaient pas de nouveau terrain. Le désespoir qui s'en suivit constitua leur inspiration. Au désespoir existentiel, on propose une greffe.
instituer toute histoire en histoire de l'autre, s'approprier une langue s'avère une aporie. Dans le pharaon, Mémy soutient que, je cite Mémy, « personne ne sait exactement qui il est, l'histoire est un chaudron, au bout une soupe confuse ». Des subjectivations, dislocations, morcellement du corps propre et du corps de la langue. Cette dissolution du sujet se solde par la rencontre avec soi-même comme un autre, suivant un schéma narcissique mortifère, dans la contemplation de sa propre image que renvoie la langue de l'autre. La langue n'est pas une butin, n'est pas un butin de guerre. Ça va mieux. La langue n'est pas un butin de guerre. La langue est une sacrée invention. Vous voyez, je reste polie. La langue est une sacrée invention qui permet de se dire. Merci à Kate qui a écrit en français pour dire qu'il n'était pas français. Merci à Césaire qui a écrit en français pour dire sa négritude. Mais comment dire notre tunisianité? La langue tunisienne est déjà bilingue, intrinsèquement, dit glossy vernaculaire qui dit toute son historicité. Tunis Blues d'Ali Becher en dit long sur le nomadisme d'une langue, sa diversité et sa diversité à variantes multiples. Parce que le monolinguisme arabe est truffé de sous-entendus, de malentendus, de quiproquos, la langue dite maternelle n'est jamais purement naturelle, ni propre, ni habitable, écrit Derrida. Ils sont partis et ils disent leur exil mental et linguistique et physique, leur exil linguistique, dans une langue bloquée, une langue figée dans une attitude respectueuse par rapport à la langue française. Et que cette langue, dans notre bouche, était parfaite, écrit Glissant, syntaxiquement parfaite. La correction était totale et pourtant l'usage de la langue était complètement faussé et défiguré. Ce n'était pas une langue vivante, c'était comme une langue morte. Fin de citation. Ajoutez à cela l'absence de prise en compte de toutes nos réalités par les élites, les anciennes élites. Entre Fantasia et Talismano, c'est que le monolinguisme des uns et la langue de l'autre ne suffisent pas à nos bilingues. Il faut une troisième langue pour dire l'errance. Penser, parler, écrire n'est-ce pas toujours encore et encore traduire selon la loi de la différence avec un NC pour reprendre Derrida. Faut-il recourir au renvoi et aux notes de bas de page au risque de défigurer l'art du roman pour tenter de venir au secours du lecteur? Prothèse de l'origine, terme dont Derrida sous-titre son monolinguisme de l'autre. Prothèse de l'origine qui n'a de cesse de s'enflammer pour se dire et redire autrement. Cette situation, écrit Derrida. C'est parce que je ne suis pas gentille que vous m'interrompez. Mais... mais qu'est-ce que je vais écrire? Alors, la littérature se doit-elle. Je vais essayer d'aller plus vite. Hein. La littérature se doit-elle de décrire l'histoire, en finir avec Shahrazad ou. Comme dit Fawzi Zouheiri, où faut-il raconter des histoires? Et que deviendrait notre mémoire, notre culture? Qui dira les vestiges d'un passé, l'orgueil d'une nation? Peut-être est-ce là que loge le grand dame de la littérature tunisienne de langue française? Peut-être que, comme le déplore Glissant, nous n'avions jamais réfléchi à la présence réelle de nos paysages, du point de vue de notre imaginaire, de notre sensibilité. Peut-être que nous n'avions jamais réfléchi à la densité de nos propres histoires. Nous suivions un peu le fil de l'histoire avec un grand H, tel que l'a défini l'Occident. Mais c'est que le bilinguisme n'est pas juste une affaire de mots, c'est une affaire de langue. Les langues véhiculent autre chose que les mots. Leur fonction ne se limite pas au contact et à la communication. Si les langues représentent des marqueurs fondamentaux de l'identité, elles sont aussi porteuses d'imaginaires, d'échos, de voix multiples, faites de sensations infinies, infiniment ouvertes à la différence. Pour être en mesure de raconter une histoire, l'écrivain tunisien devrait se réconcilier avec son histoire. Non pas celle apprise sur les bancs de l'école, celle occultée, voire dénigrée, reniée, etc. Je vais peut-être sauter un petit peu. Emile Maalouf se tenait ses propos magistralement. Le bilinguisme est une école de tolérance et une voie de survie. Il revêt l'importance des démarches fondatrices. Au-delà du sens et de la relativité des choses qui dégagent les horizons et favorisent tous les personnages, il permet d'acquérir ce qu'il faudra bien appeler un jour par son nom. Mm.
Oui, bon, d'accord, mais bon. Alors, non, je voulais quand même vous parler un petit peu, parce qu'il y a la troisième partie. Bon, je vais résumer. Il y a des... Donc... Non, je suis désolée. Il a fallu à Khatib un troisième œil pour saisir l'essence de l'être, pour dire le plaisir de parler de soi comme d'un... Comme il a fallu à Khatib un troisième œil pour saisir l'essence de l'être, ou peut-être la naissance du non-être pour extirper le mal-être, pour dire le plaisir de parler de soi comme d'un peu mort, comme dirait Barthes, pour dire justement comme Samuel Marzouk que je ne suis pas mort. De nouvelles voix de la littérature tunisienne émergent faisant fi du silence des vaincus de Alia Mabrouk. Ils ne sont plus redevables peut-être d'un droit de regard posé sur une langue qui les tient en étant une génération aînée. Alors je voulais parler en fait d'Abdelaziz Belkhouja et de Yemen Manei. Voilà. La littérature tunisienne, je vais conclure, mais bon. Seule la parole authentique qui émane des racines de ce rhizome peut maintenir cette richesse diglossique, cette puissance de l'imaginaire soutenue par un humour décapant dont seuls les Tunisiens détiennent le secret et qui leur permet de maintenir la tête hors de l'eau. La littérature tunisienne de langue française, si elle fait aujourd'hui office de parents pauvres dans la famille de littérature maghrébine, devrait être rehaussée au rang d'une littérature digne d'être conviée au programme scolaire et universitaire. Les intellectuels devraient lui donner ses lettres de noblesse, parce que tant que lecteurs, critiques et enseignants continuent à dédaigner cette littérature, à y porter le regard dominant francophone, elle sera boudée par les éditeurs qui ne trouveront pas un produit alléchant leur babine mercantile. Tant que cette littérature ne sera pas correctement médiatisée, elle ne sera pas commercialisée. Le cercle est vicieux, on n'en doute pas. Mais la spirale de l'ignorance est encore plus vorace, plus pernicieuse. Si le monde arabe est aujourd'hui à la traîne, c'est parce qu'on a persuadé qui s'appelle Tiers-Monde et que le voyant tenter d'émerger, on a convaincu qu'il était en voie de développement. La littérature maghrébine de langue française a été baptisée ainsi par l'intelligence française, histoire de la reconnaître tout en lui faisant reconnaître sa territorialisation. Et aujourd'hui, pour contenir son débordement, on a institué littérature émergente, une sorte de reconnaissance de l'étang dont l'admission à l'être ne doit pas être envisagée. On ne peut plus écrire une langue de manière monologue, affirme Glissant. Le monolinguisme est désormais impossible. Je finis. Le bilinguisme, s'il n'est pas ce maquis des langues, s'il ne se donne pas à entendre, à lire, comme parole d'honneur, sera à jamais perçu comme langue de bois, c'est-à-dire voué à la putréfaction, à l'érosion, à l'usure et à la pourriture. Finir sa course aux ordures. Mais qui sait ? Peut-être nos livres écrits en langue française auront-ils ainsi l'immense privilège d'être exportés en Italie. Merci Wafa. J'ai oublié de dire que Wafa est spécialiste également de littérature, de langue d'expression française. Et cela se voit. Merci à tous. Débat, mais le débat porte sur toutes les communications en principe. Je vais céder la place à Madame la directrice du département pour qu'elle modère le débat. Madame Bakar, Simortar, venez rejoindre vos places pour le débat. Vous restez, vous êtes concernés par le débat. Il n'y a pas de place pour tout le monde. On met pas des chaises. C'est pour ça. Continuer avec le débat, professeur Gaha. Bien, nous arrivons à la fin de la première séance. Là, je vois beaucoup de mains levées. Alors, je vais commencer. Monsieur, vous voulez bien dire votre nom, s'il vous plaît ? Ensuite, voilà. Oui, mon nom et tout ça, Mon nom, c'est Bellou Saïf Abdelazer. Je suis poète, écrivain. Je fais un peu de la critique, tout ça. Bon, je lis mon anglais, en français, en arabe. Bon, lorsque j'écris un poème, je commencerai par l'arabe. Pourquoi ? Après, c'est le français, après, c'est l'anglais, après, le français. En quelque sorte, qu'est-ce que je cherche ? Je cherche
une certaine beauté entre les vers, sachant que lorsque j'écris un poème, que ce soit en arabe, c'est un sujet que je veux, quelque chose qui me fait mal. En anglais, c'est autre chose. Donc, je fais ce mariage-là. Bon, qu'est-ce que je veux dire? La poésie, si elle existe, quelle que soit, dans toutes les langues, c'est parce que les poètes font toujours la fête. Les poètes sont des candeurs qui ne meurent jamais. Bon, la question, oui, c'est ça. La question, est-ce que, je dis bien, est-ce que la langue est beaucoup plus importante que l'image? Parce que si lorsqu'on rit, s'il y a des multitudes d'images qui sont réalisées, si vous voulez bien, valorisées en film, en, je ne sais pas, en, des tableaux, tout ça. Donc, c'est grâce à la poésie qu'il y a l'image, qu'il y a la musique, qu'il y a l'art de dessiner, là, tout. Donc la poésie, c'est le fondement. La question, si vous... c'est ça. À qui elle s'adresse, cette question? C'est-à-dire à tous les poètes. À tous les... Bien, merci. Oui. Hawashi Zahra, poétesse écrivaine. Je voudrais parler aujourd'hui d'une voix féminine qui n'est pas encore connue. Une voix de femme fidèle à sa Tunisie. Ici, je m'adresse surtout à Madame Bouchra. Cette Tunisie qui n'est ni bilingue. Et on va le découvrir tout de suite, si vous me permettez. Je peux vous accorder quelques minutes, s'il vous plaît. Puisqu'on est dans la francophonie, je commence par la première feuille, la cape. À chacun de nous, une cape que dans sa grandeur et sa splendeur, son âme s'y est confiée au paisible séjour. Moi, ma cape, dans ma présence, dans ma préscience, ma conscience, par mes yeux, mes doigts, je t'ai désigné un beau jour. S'il vous plaît. Hein? C'est une... Oui, je sais. Ça, c'est une partie d'un petit poème de la première feuille de notre Tunisie, qui est la francophonie. Je cite quelque chose dans la deuxième feuille. Mais la question, s'il vous plaît, j'attends une question. Désolée, madame, je suis obligée de... La question. Oui, je peux. Je peux. S'il vous plaît, on l'avance. Oui, je m'adresse toujours à ceux qui considèrent que la Tunisie est bilingue, qui n'est pas bilingue. Je continue. Non, s'il vous plaît, la question, et on va passer à une question. Vous avez... Monsieur qui demande, oui. La question, s'il vous plaît. La question, est-ce que vous croyez vraiment que la Tunisie est bilingue? C'est pourquoi j'ai voulu lire dans les trois feuilles. Très bien. Dans les trois feuilles, vous avez parlé de l'arabe, du français, mais la feuille principale de la Tunisie, vous ne l'avez pas indiquée, vous n'avez pas parlé de notre patrimoine, de notre langue. Si vous me permettez deux minutes. Non, ça va. Merci beaucoup. Ou même moins que deux minutes. Merci, madame. Très bien. Si Marzouki, professeur Marzouki, merci. Excusez-moi. Je vous donne la parole tout de suite. Remercier donc l'ensemble des communicants, notamment donc ceux qui ont parlé de leur expérience d'écrivain en même temps et qui ont analysé en même temps le phénomène
que nous étudions, qui est la littérature francophone donc, de Tunisie, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais je voudrais revenir à une communication qui est celle de M. Aïssam Machaoui. Oui. Moi, je pense qu'elle mérite d'être très nuancée. Parce que moi, je pense que la vérité est dans la nuance. Je considère que l'intelligence aussi est dans la nuance. Je vais donner quelques exemples. La langue française, à un certain moment, donc, le conférencier nous a dit globalement que finalement, bon, les forces indépendantistes, les hommes politiques, ceux qui luttaient pour l'indépendance, donc, avaient privilégié l'arabe au détriment du français. C'est pas vrai. Parce que le Nil Destour, qui était le fer de lance de la lutte indépendantiste, était bilingue et a utilisé énormément le français dans la lutte nationale. La preuve, c'est les journaux donc en langue française, l'Action en particulier, mais pas seulement, et aussi tous les discours qui étaient faits à l'ONU, par exemple, etc., qui étaient faits en français, qui n'étaient pas en arabe, et on s'adressait finalement en français au monde entier pour condamner le protectorat français. Il y aurait tellement d'autres choses à dire. La langue française n'est pas entrée en Tunisie à coups de canon. C'est faux. Parce que les élites tunisiennes connaissaient le français dès la première moitié du 19e siècle. Effectivement. Le français était au programme de l'école polytechnique, l'école militaire du Bardo. Il était au programme du collège Sadiki. Donc, le français ne date pas de la colonisation. Et puis, je pense que c'est pas vrai qu'il est entré à coups de canon et par le fer et le sang, etc. La statue de sel n'est pas exotique. C'est vraiment un roman qui s'inscrit contre l'exotisme, mais vraiment totalement. La littérature exotique date du début du siècle. Albert Mimi a bien prédit la mort de cette littérature, c'est vrai, mais il l'a fait à une certaine époque et ensuite il a dit très clairement « je me suis trompé ». Cette littérature francophone de Tunisie va survivre et elle est appelée à un grand avenir. Donc il ne faut pas juste s'enfermer dans ce qu'il a dit au début parce qu'il pensait que l'arabe serait la langue unique donc, de la Tunisie. Et que donc on n'écrirait plus en français. Quoi d'autre encore? Que le roman francophone tunisien, à mon avis, n'a rien à envier au roman arabophone. Moi qui ai lu beaucoup de romans francophones et beaucoup de romans arabophones, je peux dire que le roman francophone tunisien donc se défend bien et je dirais que finalement le roman arabophone lui-même soit il est le fait de bilingues comme Fraj Lahwar par exemple si je peux le citer mais d'autres soit il est le fait de gens qui sont unilingues mais qui sont nourris de lectures de traductions. Il faut aussi tenir compte de la traduction. La traduction a énormément donc à apporter, disons, aux écrivains, même ceux qui ne connaissaient pas le français. Enfin, la derja, les écrivains n'ont pas à s'en occuper particulièrement parce qu'elle est déjà dans leurs œuvres. Regardez un écrivain comme Anwar Atiya, par exemple. L'essentiel de l'intérêt, et encore plus Rafiq Ben Salah, par exemple, ce sont des écrivains qui écrivent le français en traduisant la derja. Donc la derja est déjà là, ils n'ont pas, je dirais, à s'en inspirer. D'ailleurs, chez beaucoup d'autres aussi, on voit ce phénomène. Pas chez tous, mais chez beaucoup d'autres. Bon, il y aurait encore d'autres choses à dire. Je ne sais pas, les écrivains comme les écrivains tunisiens n'ont pas quitté les frontières de la langue du père. La plupart sont bilingues. Il y en a qui écrivent dans les deux langues. Tahar Bekri, par exemple, Abdelhab El Medeb, etc. Enfin, vraiment, je pense que, bon, et puis, de façon générale, je dirais que
Je ne pense pas personnellement que la littérature tunisienne soit en retard d'une guerre par rapport à la littérature algérienne ou marocaine, parce que j'ai lu aussi pas mal d'ouvrages de la littérature marocaine et de la littérature algérienne. Je pense que c'est le même processus et que sur, par certains aspects, qui a été démontré d'ailleurs par certains des écrivains qu'on a entendus tout à l'heure, il pourrait même y avoir une sorte d'avance de la littérature tunisienne sur ces littératures qu'on nous présente toujours comme des modèles, en disant que la littérature tunisienne est minime, etc., par rapport à elle. Globalement, je dirais donc que il faut vraiment, pour étudier cette littérature, avoir une position très nuancée. Je ne veux pas dire qu'il n'y a que des chefs-d'œuvre dans cette littérature. Il y a bien sûr pas mal d'ouvrages qui n'ont pas d'intérêt, mais il y en a dans les autres littératures. Mais ce qui est certain, c'est que c'est une littérature très vivante. C'est une littérature qui, au fil des ans, devient de plus en plus intéressante. Merci de votre... J'ai été très long, excusez-moi. Mais merci. Je devais vous dire. Merci, professeur Mazouri. Alors, faut-il que je donne la parole à M. Mahchaoui pour vous répondre, et ensuite à vous la parole et à M. Kamel Gah. Alors, pour répondre aux remarques de M. Samir, je comprends sa position. Et je n'ai pas dit que, on va dire, les Itouniens ou les Sadikiens n'étaient pas bilingues. Je l'ai mentionné, j'ai dit qu'ils sont bilingues. Ça, c'est pour la première remarque. Alors, entrer donc à coup de canon en Tunisie, bien sûr que la langue française est arrivée bien avant, bien sûr, la campagne militaire. Ça, bien sûr, je le sais. C'est une image pour dire que finalement, la colonisation, c'est une réalité violente, peu importe le mode. Et puis, je n'ai pas dit à propos de la statue d'Ocelle que c'est un écrit exotique. J'ai dit que la réception de ce texte du côté nord de la Méditerranée était conditionnée par cette littérature exotique qui est effectivement au XIXe siècle. Donc pour toutes ces remarques. Et à la fin, je ne suis pas d'accord avec lui lorsqu'il dit effectivement que la littérature algérienne et marocaine, dans leur, on va dire, naissance, leur maturation, ressemble à notre littérature tunisienne francophone. Je pense que les conditions ne sont pas les mêmes. Et tout à l'heure, je n'ai pas eu le temps justement de le dire clairement, parce que j'étais un peu bousculé par les 20 minutes. La littérature tunisienne, contrairement à la littérature algérienne, n'a pas justement connu son père fondateur. Je le signe et persiste, comme c'est le cas en Algérie avec Ketteb Yassine. Et pour la littérature marocaine, elle a en quelque sorte sauvé sa peau avec la révision de ses postulats esthétiques avec Abdelk Bir Khatibi dans les années 70. Donc lorsqu'il a effectivement conceptualisé le bilinguisme à travers deux concepts, la double critique et la pensée autre. Et il a illustré la pensée autre à travers une fiction, Amour bilingue, dans les années 80, et dans laquelle justement il a montré qu'il est possible de dépasser justement cette dualité de la langue, ce bilinguisme qui fige justement la pensée et la création. Et donc ce travail n'a pas encore été fait, à mon sens, pour ce qui concerne notre littérature tunisienne francophone. Voilà, merci. Merci. Monsieur, je vous donne la parole. Et ensuite, la parole au professeur Gah. Merci. Ahmed Mahfouz, écrivain et chercheur en littérature francophone. Tout d'abord, je développe à partir de du point de vue de Samir Marzouk sur la langue. Je pense que après presque 60 ans de littérature tunisienne francophone, l'entreprise de déculpabilisation de la langue n'a pas eu lieu. C'est-à-dire qu'on continue à se justifier par rapport à l'écriture en langue française, à dire que ce n'est pas la langue française de la France, ce n'est pas le français de France
comme dit les langues entrant d'Ama, mais c'est une langue que l'utilisateur s'est appropriée. À propos, il y a eu l'article incontournable de Samir sur la tunisianité des écrivains tunisiens de langue française, sur lequel moi-même j'ai travaillé, je l'ai réactualisé dernièrement à partir d'exemples sur les écrivains contemporains. Je pense que le français est à présent un patrimoine de presque un siècle et demi, sinon deux siècles, et qu'il est temps de l'assumer. Alors, d'autres remarques. Mokhtar, tu as cité pas mal d'écrivains et de poètes, mais tu as omis deux, à mon avis, qui sont très représentatifs. Il s'agit de Moussa Fachem et de Majid Houssi. Et comme par hasard, ce sont les écrivains méditerranéens, comme si la méditerranéité chez nous est un refoulé identitaire. On n'en parle pas. On parle de l'arabité, de la judéité, mais on ne parle pas beaucoup de la méditerranéité. Pour Madame Alia, vous avez parlé de des universitaires, c'est-à-dire la rupture avec la génération de Medb, etc., c'est les universitaires. Moi, je dirais plutôt des écrivains locaux, c'est-à-dire des écrivains qui produisent en Tunisie, qui sont pris en charge par des maisons d'édition tunisiennes, qui ont un lectorat tunisien et donc qui ont un imaginaire différent du point de vue de la réception, puisqu'ils ne se soucient pas de l'autre, comme les écrivains qui vivent en France. Enfin, je déplore quand même l'absence de la nouvelle génération d'écrivains. Aucun représentant, c'est-à-dire la génération de la trentaine et de la quarantaine, alors qu'aujourd'hui, moi j'ai travaillé à la Cité de la Culture pendant toute une année et j'ai eu le plaisir et l'occasion de présenter des jeunes écrivains de talent qui sont très prolixes et qui ont une certaine spécificité, comme Moha Harmel, Khawla Hosni, Yemen Manna'i dont vient de parler Wafa Ourari, et d'autres comme Samim Qaddam et Samir Mahlou qui viennent d'avoir un prix dernièrement, le prix Comar. Voilà. Je vous remercie. Je vais répondre à la place de Madame Baka, si elle permet que je dise deux mots. Et nous, étant donné la situation actuelle en Tunisie, il nous a été recommandé par le président de faire notre colloque sur une journée et demie. On ne pouvait pas aller à l'au-delà. On aurait bien souhaité avoir plus d'intervenants. D'ailleurs, Madame Bakar a eu beaucoup d'appels téléphoniques pour un tout petit peu l'accuser de ne pas les avoir appelés. Nous regrettons, mais nous avons été limités. Le comité scientifique a pris quelques-uns des représentatifs, mais pas plus. Voilà la raison pour laquelle... Non, mais je parle, ça aurait été très agréable d'avoir plus de monde, mais c'était la raison, tout simplement, la situation actuelle dans le pays. Et puis, une journée et demie, on ne pouvait pas faire appel à tout le monde. Monsieur Gaha, à vous la parole. Si, on va terminer avec votre intervention. Tout d'abord, un grand merci à tous les intervenants. Je voudrais revenir sur ce problème récurrent de la langue de l'auteur francophone. Vieille question qu'on a héritée des générations qui nous ont précédés et qui manifestement est toujours là. Il me semble que on est là au cœur d'une véritable aporie. C'est-à-dire, une aporie, c'est lorsque les deux assertions sont contradictoires et incompatibles en même temps. Et pourtant, il y a un véritable paradoxe de la langue chez les auteurs francophones. Nous le savons, la psychologie l'a montré,
le bon sens le prouve, la langue est une composante essentielle de l'identité. Elle est proche du corps maternel. Elle est proche du corps tout court. Et donc, nous l'apprenons au contact du corps de la mère et elle va nous accompagner, pour ne pas dire nous habiter. C'est indéniable. Mais il y a également cette chose ou cette situation étrange. Le Créateur, quand il crée dans une langue, n'est pas en pays étranger. Le Créateur ne peut pas créer avec le sentiment de ne pas être chez lui. On a parlé tout à l'heure de langue accueillante, d'espace dans lequel je peux venir au monde. On retrouve là également des théories linguistiques qu'il est inutile de rappeler. Le Créateur habite la langue de plein pied et n'a pas à justifier, n'a pas à légitimer la relation privilégiée qu'il entretient avec la langue. Je vais peut-être choquer certains de nos amis français et beaucoup d'amis tunisiens, mais je le fais. Dans la langue française, je suis chez moi. Mais je ne suis pas français. Je ne suis pas français, je ne revendique pas d'être français, mais dans la langue française, je suis chez moi. Il faut que les Tunisiens et les Français l'acceptent, je n'ai pas les autres. Ce n'est pas évident, c'est loin d'être évident. Comment rendre compte de cette aporie ou de cette situation étrange dans laquelle nous savons que la langue est toujours histoire, histoire du corps, histoire des corps, mais que la langue aussi, elle est en même temps, donc enracinement, mais également la possibilité de ne pas être prisonnier de ses racines. Toute langue, toute grande langue, est deux choses à la fois. Elle permet d'habiter un terroir, mais elle permet de sortir de ce terroir également, de ne pas en être prisonnier. C'est ça, créer. C'est cela, être capable, malgré le poids de tout ce que nous héritons, de l'heure et de malheur, dire « je ne suis pas seulement cela ». Je peux être autre chose. Cette liberté-là, seule la grande intimité avec la langue et avec la culture la rend possible. Et c'est cela, créer. Non pas renier l'histoire, non pas renier les contradictions, mais dire « je suis de l'autre côté des contradictions ». Comme Sartre disait, la vie est de l'autre côté du désespoir. Ceci dit, je pense qu'il est temps, il est grand temps, que les auteurs tunisiens ou francophones en général, non français, assument. On n'a pas à se sentir coupable d'être bien dans une langue, de jouir d'une langue et de pouvoir faire jouir d'autres en utilisant cette langue. Si on ne dépasse pas ce complexe, ce complexe de la langue de l'autre, justement, à partir du moment où je la parle, elle n'est pas la langue de l'autre. Elle est mienne, certes,
elle porte mon empreinte. Peut-être qu'un Français de, je ne sais pas, de, d'Aix-en-Provence ne parlerait pas comme moi, certes, mais cette langue-là, je la revendique sans arrogance, mais je la revendique quand même. Merci et désolé d'avoir été imposé. Pas grave. Merci, professeur Gaha, pour cette intervention. Et je donne la parole à... juste après, s'il vous plaît, madame. Monsieur... Oui, ensuite, monsieur, et après, ensuite la question. Parce que... Bon, bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Merci pour vos interventions et ces riches communications de ce matin et pour les débats là qui s'en suivent. Et monsieur, loin de me choquer, hein, vos propos, au contraire, résonnent en moi, hein, parce que vous avez dit « j'ai peur de choquer nos amis français hein, », et moi je représente ici l'Institut français de Tunisie. Je voulais juste dire que la langue française n'appartient pas à la France. Et j'ai beaucoup entendu dans les communications de ce matin dire la langue de l'autre. Et moi, j'aurais envie de dire la langue des autres. Parce que effectivement, cette langue, les travaux de l'OIF hein, nous disent qu'actuellement, elle est parlée par 300 millions de locuteurs à travers le monde, la langue française. Il n'y a pas 300 millions de Français à travers le monde. Elle sera en 2050... selon toujours les projections statistiques de l'OIF, parlé par 700 millions de locuteurs à travers le monde. Donc moi, j'ai envie de poser une question, hein, pour le coup, vraiment poser une question. Est-ce que, au-delà d'un certain reniement de l'identité tunisienne, hein, qui semble toujours un peu en arrière-plan de l'utilisation de la langue française dans la littérature en Tunisie, est-ce que ce n'est pas plutôt une opportunité pour tisser des liens diffuser cette identité tunisienne à travers le monde et pas uniquement en direction de la France, mais en direction de l'ensemble des pays qui utilisent la France, qui utilisent la langue française pour communiquer. Voilà, je trouve que c'est peut-être plutôt une belle opportunité pour tisser des liens entre les peuples plutôt qu'essayer de continuer à les opposer continuellement. Passons à autre chose, où je vous rejoins aussi. On a l'impression que cette rengaine n'en finira jamais hein, d'opposer les gens. Voilà. Est-ce qu'on ne peut pas se saisir plutôt de cette opportunité pour tisser des liens? Voilà. Merci pour votre intervention. Monsieur, et ensuite, on va dans l'ordre, excusez-moi madame, même si elle s'adresse directement. D'accord. Il n'y a pas de problème, on est là pour discuter. Sauf, il n'y a pas de problème. C'est ma... La vérité, depuis longtemps, on discute ce problème. Depuis que j'étais au campus universitaire, j'ai demandé cette question à mes enfants. Et j'ai demandé quelle langue vous parlez. Il m'a dit, ça ne m'intéresse pas quelle langue. Arabe. La langue arabe ou française. Moi, je parle la langue universelle aujourd'hui. La langue de la technologie. La langue, je peux discuter avec un Japonais ou avec un Américain ou avec un Européen, c'est la démocratie universelle. Vous, votre langue arabe ou française, c'est pas un problème pour nous. Vous êtes la minorité, mais nous sommes la majorité. D'ailleurs, ils m'ont dit, la langue et la monnaie vont disparaître. C'est la langue universelle et c'est la monnaie numérique qu'on discute ensemble. Je termine, madame. La question qu'ils posent, moi je suis financier. Voilà. À quoi ça sert? La langue. À quoi ça sert la langue pour la génération Z? Ça, c'est très important. Je lui ai dit, bon, la poésie et tout ce problème-là, elle m'a dit, avec l'intelligence artificielle, je peux faire la poésie. Vous voulez des tableaux de peinture? D'ailleurs, il y a des tableaux de peinture avec l'intelligence artificielle.
pas dit bien offert en pays. Un jour fait le vent vient entre l'Allemagne et la Tunisie. Pas dit bien offert en Colbora. Et Colloc, la langue, c'est pas important. D'accord. Et il faut nos jeunes d'aujourd'hui, et Colloc, ils ont été sur le même pied d'égalité qu'un Japonais, qu'un Américain, etc. Et je termine, madame. Le premier prix d'innovation en Allemagne 2016, c'est un Tunisien de la région de Sylienne. C'est pas question de langue. Mais, c'est-à-dire, mes amis, je termine, madame, dans le domaine finance et technologie, ils trouvent des grandes difficultés parce qu'ils parlent le français seulement. Non. Très bien. Et l'anglais est maintenant partout, madame. Même dans le conseil d'administration des sociétés françaises, c'est la langue anglaise qui domine actuellement et les Français trouvent des grandes difficultés concernant les normes, les standards, etc. Bien, merci, monsieur. Moi, je préfère la génération Z qui voit le futur qui est le plus important. Et je vous remercie. Merci, monsieur. Madame, vous voulez bien... vous voulez répondre ? Allez-y. C'est pour professeur Gaha. Je voudrais renouer avec mes premières années avec vous, c'est Gaha, et vous reposer une question. Alors, vous avez dit ceci, que je partage énormément, je ne suis pas français, mais dans la langue française, je suis chez moi. J'ai adoré cette formulation simple, nette et claire. Mais vous ajoutez, comment rendre compte de cette aporie ? En fait, en l'écrivant, vous en témoignez de cette aporie. Ce qui m'amène à la question suivante. Est-ce que ce n'est pas en fait se poser la question comment prendre conscience de la manière avec laquelle j'ai témoigné de cette aporie, ce qui ferait de vous votre premier lecteur et votre premier critique littéraire ? Bien, merci. Je voudrais, avant de clôturer cette première séance, remercier tous les intervenants de ce matin, remercier également tous nos invités ici présents ainsi que les représentants de l'IFT et on se retrouve tout à l'heure à 13h pour continuer. Merci à vous tous. Ah oui, il est 13h, donc on se retrouve à 14h30. Excusez-nous, 14h30.